Dans le quintet, il y a Folili qui reste sur des performances assez moyennes. Donc on est un peu dans le vague. Elle a toujours le même niveau, elle marche 12. Le dernier coup, elle marche 12 et l'hiver dernier, elle marchait 13,5. Donc le niveau, elle l'a toujours, mais le problème, c'est que y a des nouvelles concurrentes et je pense qu'elle elle franchit pas le palier qu'il faudrait franchir. Quand vous restez sur 7e, 8e ou des trucs comme ça, si vous avez des convictions, vous êtes un peu rêveur, quoi. Hein. Mais il faut voir quand même la jument courir. Ça risque, si elle court comme ça encore, ça sera sa dernière course. Mais bon, faut la revoir une fois, puis on verra. Iséo est bien, il reste que sur des bonnes courses. L'autre fois, on a fait un essai monté, il court super bien. Bon, par contre, pour finir, il avait un souci d'allure. D'un autre côté, on n'est pas vraiment étonné parce que c'est un cheval, il peut l'avoir à l'attelage. Mais bon, au niveau condition, au niveau performance, il faisait une vraie bonne course. La seule chose, c'est que là, on a 8, quoi. On n'a pas un bon numéro. Il a gagné cet hiver, il marchait 12. Après, il a pris des places que dans des bons chronos. Le coup d'avant, il remarche. Il est quatrième avec les mêmes chevaux en courant bien. Je pense pas que ça va le transcender. C'est un gentil cheval, il est régulier. Peut-être un petit peu mieux 2100, je sais pas. Mais bon, il a gagné un coup 2100, mais c'est peut-être parce que c'était la belle course. Ça aurait été un 2007 ou 2008, peut-être qu'il l'aurait gagné pareil. Kim de Réville, elle va rentrer au Haras. C'est sûrement sa dernière course aussi. La jument, elle n'est pas trop courageuse en course. D'un côté, elle a presque 200 000 euros. Elle a gagné à Vincennes et tout. C'est pas mal. Mais vis-à-vis de ce qu'elle faisait au travail, on aurait pu penser à mieux. Durand, elle n'a pas très bien couru à Beaumont. Là, je la recours parce que c'est un bel engagement. Mais je pense que normalement, c'est sûrement sa dernière course aussi. C'est une magnifique jument. En plus, quand je vois ce qu'elle faisait au travail, elle accompagnait tous les bons chevaux. Mais par contre, elle a toujours été un ton en dessous en course de ce qu'elle faisait au travail.